notre job, ça va être reprendre comme, comme Ken, quoi, plus ou moins comme Ken nous a montré la dernière fois, on est là. Alors, on peut avoir un partenaire qui est là, effectivement. Moi, c'est vrai que quand il est moi, quand c'est là, j'aime pas trop le laisser. Sinon, souvent, quand je vois ça, je fais ça. C'est-à-dire, on est en train de combattre, d'accord, soit un peu normal, comme en Android, tu serais comme en là. Voilà. Ce que je fais, moi, souvent ici, je fais ça. Parce que ça, on n'a pas en Luta. En Luta, on est obligé. Ouais. Mais là, c'est pas un truc qu'il y a au judo. Au judo, souvent, bon, les mecs travaillent avec, on l'enlève. Mais là, restons sur notre logique du livre. Moi, un mec qui est là, ça veut dire que tu veux me tirer souvent là-dessus, tu veux être assez solide, d'accord? On est très normalement, mon combat contre toi serait. Voilà. Là, regardez comment moi c'est intéressant. Il me tire. Ouais. Et regardez ses doigts. Il n'est pas super bien. Hein. Donc, n'hésitez pas, en Guy, là on est vraiment bien. Hein. Là, je suis pas sûr qu'il aime. Hein. Et bien, on va tenter de le faire de là. Tiens, on va essayer de travailler là-dessus. On va refaire un katagourmade là. On l'a déjà vu. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ma Z doit rentrer à l'intérieur. D'accord? Ça va tes doigts là? On est là, je suis en maintien, je peux être bas. Et là, je vais rentrer ma tête à l'intérieur. Ok? Qu'est-ce qui est important ici? Non. Je suis ici. Qu'est-ce que j'ai vu la semaine dernière, ça? La tête qui se baisse. Non, soyez droit. Est-ce que tu peux te saisir la tête? Alors, pas vraiment. Parce que là, regarde, je le tiens. Là, en plus, il y a un guy. Hein. Donc avant qu'il me saisisse. Même si. Alors là, tu peux partir loin. Hein. Mais là, moi, je m'en fous. Donc ça, c'est pas un problème. Mais par contre, cette notion, elle est hyper importante. Je garde. Et ma tête, en fait, elle crée une cale. Point dur. On revient sur le point dur. Là, quand je fais ça, regardez, c'est dur. Je suis pas à l'aise. Je m'écrase. Qu'est-ce qui est important? C'est d'être fort, donc structuré. Ok? Je suis là. Point dur. Donc, je suis haut, en général. Descendez pas. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir. Là, et je l'emmène. Je l'emmène par là, en diagonale. Là, vu comment il était, j'aurais pu le ramener devant. Mais vu que là, on bosse souvent en diagonale, c'est mieux. Vous vous souvenez, Ken, je le faisais très bien. Il le fait en no-gi, lui. Il maintient là. Nous, on tient Guy. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il bouge n'importe comment. Comme ça, même s'il veut revenir d'ici, il revient. C'est pas évident. Hein. Il est bloqué. Exactement. Il y a ma tête reste collée. Il vient. Et là, bah, je reprends mon centile. On va bosser sur ça parce que c'est vrai qu'il y a des mecs qui crossent, pas de problème. On est là. Tentez de voir un peu en opposition ce que ça donne. Il se laisse pas tout à fait faire. Il est chiant. Voilà. Lâche tout. Je prends un grip haut ce coup-ci. J'ai pas besoin d'être en Russian Thai classique. Je peux prendre le gi, ça me dérange pas. Là. Après, vous vous souvenez, je passe à l'intérieur. Donc, step. Là, hop, je pourrais très bien monter d'ici. Et pour que ce soit un peu plus simple pour moi, alors, y a en kata judo, on le ramène devant. On fait 1 et on ramène devant. Mais là, vous avez vu, son poids est sur l'arrière, donc ça ne me sert à rien. J'ouvre. Là. Là. Je maintiens. Et je reprends pour prendre 100 kilos. D'accord? On tente tout ça. Pause. Merci.